Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Rencontre du Deuxième Type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Aujourd'hui, je vais vous présenter Justice League Icons que Jules m'a prêté. Du grand, du très du grand, grand. Du Alex Ross. Voilà, Alex Ross et du très très grand aussi, Paul Dini. Paul Dini qui s'est quand même occupé de la série que tout le monde adore. La série animée Batman, qui est ressortie il n'y a pas longtemps en Blu-ray, remasterisée, tout ce que vous voulez. Qui est tout simplement mortel. Moi j'ai écrit des notes quand même parce que j'ai une petite mémoire. Alors moi Justice League Icons, on en prend plein la tronche déjà avec la couverture. Vraiment, c'est beau, c'est propre. Bon, il faut dire qu'Alex Ross c'est une pointure le mec. Ce qui est intéressant c'est qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est qu'à l'intérieur moi je savais pas, toi tu m'en as parlé il y a quelques temps. Ouais. On m'apprend comment il arrive à faire ces dessins là. Ça annonce la couleur, donc avec la couverture et puis même les couvertures alternatives. Et l'idée de départ, en fait, d'Alex Ross et de Paul Dini, c'est de revenir dans le contexte d'origine des super-héros, comme les films DC, en fait. C'est-à-dire on reprend l'origine des super-héros, on voit d'où ils viennent, que ce soit pour Superman, Batman, parce qu'il est question de Superman, de Batman, de Wonder Woman et de Shazam, Captain Marvel. Et moi j'ai adoré. Vraiment, le fait de retrouver les origines des personnages, et c'est assez kitsch en plus. Je sais pas si on voit les origines. Ben, si, tu regardes le premier. En fait, il dit d'où il vient Superman. Ah oui, voilà, il dit d'où il vient. Okay, Batman, pareil. Batman, on a, il nous dit d'où il vient. Alex Ross fait comme si c'est lui qui avait. Enfin, moi c'est comme ça, c'est la sensation que j'ai. Alex Ross et Paul Dini font comme si c'était eux qui avaient. Enfin, c'est pas qu'ils le font, mais on a l'impression que c'est eux qui ont inventé les super-héros, ces super-héros-là. Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'en fait, tous les super-héros, les quatre super-héros qui sont présentés au début d'énormes bouquins Icons, ils sont sur une c'est une sorte de monologue intérieur, en fait. Complètement. Ça, par contre, on a très très peu de bulles. Je me demande même s'il y en a, en fait. Il n'y a pas de bulles, non, c'est juste des textes. Oui, mais est-ce que. Des pensées. Je sais. Oui, voilà. Il n'y a pas de bulles, non. Il n'y a rien de dit en direct. Il n'y a rien de dit en direct, c'est. En fait, c'est une réflexion. C'est-à-dire que les supérieurs réfléchissent à leur utilité dans la société. Utilité dans la société. Et dans leurs actions. Par exemple, sans spoiler, Superman, dans la toute première histoire sur Superman. Alors on se dit waouh, super, Superman il a enfin compris qu'il fallait sauver le monde et qu'il fallait éradiquer la famine dans le monde. Sauf que. Pas la famille, hein, la famine. C'est le Joker qui s'occupe d'éradiquer la famine. En fait, on se dit, enfin moi c'est ce que je me suis dit, waouh, il a enfin compris Superman qu'il fallait qu'il éradique la famine dans le monde. Et en fait, c'est pas si simple que ça. Ben non, c'est pas si simple que ça. Alors moi ce que j'ai beaucoup aimé justement, c'est que Alex Ross c'est quelqu'un qui est réputé pour faire des dessins du dessin et de la peinture puisqu'il peint. De manière très très réaliste, pas du tout cartoon, ce qui est drôle quand on sait que Paul Dini a bossé sur la série animée. Et du coup, il y a vraiment des dessins, ça c'est sûr, exceptionnels. Et on est dans un contexte aussi très réaliste, c'est-à-dire qu'on se met vraiment dans la peau de super-héros qui se posent de réelles questions sur la société. Et ils ont des problèmes de société qui sont récurrents, la famine, l'écologie... l'extinction des animaux, je crois, avec ça. Shazam. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de choses comme ça de contemporains, sujets qui nous touchent. Et ça pose des questions sur l'être humain, sur la société, les sociétés dans lesquelles on vit, sur l'utilité ou pas d'un sauveur. Et moi, je me suis vraiment dit, même si on avait ces super-héros-là, au final, on aurait les mêmes questions. On est des êtres humains, on est plein de paradoxes, parce que c'est la sensation que j'ai eue quand j'ai lu... les quelques histoires qu'il y a dedans. Moi, personnellement, Alex Ross, c'est le truc que je conseille ou que je prête. Alors, toi, en l'occurrence, c'est pas le cas. Mais aux gens qui disent « Ouais, les comics, la BD, bon... Ouais, le Guy Griffon, quoi. » Le Guy Griffon, pas, quoi. Le gars, il fait des doubles pages de malade. Et je suis désolé, ça vaut... Je veux dire... Ça vaut... un tableau. Enfin, je veux dire, faut arrêter, quoi. Je dis le... J'ai pas du coup de noms qui me viennent à l'esprit en termes d'art en général, mais franchement, on ne peut que dire que c'est du travail de ouf quoi. Ça, c'est du très 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 gros travail. Mais. Aïe. C'est un petit mais parce qu'en fait, c'est une impression perso. Moi, j'ai adoré les dessins.
J'ai adoré le fait qu'on on ait l'impression d'avoir affaire à un roman photo, clairement. Ah, complètement. Comme si on était devant un magazine de reportage qui suit les super-héros, comme si on avait un mec qui suivait les super-héros. Ouais, qui... c'est carrément ça, ouais. Mais, j'oserais pas dire que c'est... Si, je vais le dire. C'est trop beau, quoi. Mais dans les deux sens du terme, c'est trop beau. C'est-à-dire comme les ados qui font « Ah là là, c'est trop beau !» Mais en fait, c'est trop beau. Moi, ça m'a donné tournis parfois. Et ah oui, dans ce sens-là, d'accord. Le tournis est presque la nausée. C'est-à-dire que c'est plein de couleurs. Vous voyez bien, là, les couleurs sont magnifiques. Elles sont hyper lumineuses. Voire par moments flashy avec Shazam. Et puis on le voit avec Superman ou Wonder Woman. Forcément, pour Batman, c'est moins prégnant. Parce que Batman, bah, l'univers est sombre. Sombre, ouais. Ou même quand on regarde après les Green Lantern. Même le limier martien, etc. C'est... Il y a des moments où tu dis bon, je ferme le truc, j'ouvre un comics Batman pour avoir un petit peu d'obscurité. Et de... Ouais, ouais, ouais. Regardez, voilà. Typiquement, elle est belle, hein, c'est Wonder Woman. Hein. Elle est magnifique. Hein. Mais, oh, tu. J'essaie de retrouver parce que je sais qu'il y a une double page de ouf. Ouais, voilà. Mais voilà. Et par contre, s'il y avait aussi un point négatif que je devais. Il s'est quand même foutu de notre gueule avec Superman. Avec Wonder Woman, pardon, Alex Ross. Pourquoi? Elle est, moi je trouve qu'elle est, elle est habillée quand même. Kitsch, hein? Ouais, non, pas kitsch, mais c'est. Non, je sais pas, c'est pas l'image que je me fais de Wonder Woman, quoi. D'accord. Oui, elle est sexualisée, quoi. Enfin... Non, bah non, parce que le Wonder Woman, de, le film Wonder Woman qui est sorti il y a un an et demi chez DC. Ouais. Chez Warner plutôt, il est. Elle est hyper sexualisée, Wonder Woman. Elle a une jupe. Ouais, elle a une jupette qu'elle a pas là, quoi. Est-ce que c'est le fait qu'elle soit en culotte? En slip, ouais, c'est bizarre. C'est peut-être ça. Ça fait bizarre, c'est ouais. Peut-être ça. Oh, c'est bizarre. En, ouais, je sais pas. En culotte et chancrée. Elle a vraiment, ouais, c'est. Là, en l'occurrence, c'est quand même Justice Icons et du coup, il iconise des personnages et du coup, il les met dans leur costume. Je veux dire, Batman. Dans leur costume d'origine. Clairement, il est en lycra avec un collant gris. Avec quoi, des super grandes roses aux oreilles, les oreilles qu'il avait à l'origine. On est vraiment sur quelque chose de. Bien sûr. Très réaliste bien d'une sûr. Part, mais aussi très classique, bien sûr. Dans le sens de classicisme. Totalement, quoi. Totalement. Et quand je disais tout à l'heure que je filais ça à ceux qui considéraient le comics comme un art mineur, c'est parce que clairement, tu ne peux pas ne pas te prendre une claque visuelle avec les dessins. Alors peut-être à outrance, effectivement, moi je ne l'avais pas vu comme ça, mais je peux comprendre, honnêtement. Mais c'est pas dérangeant, hein. c'est juste que... Mais... Enfin, tu peux pas te coltiner, je trouve, comme un comics. Tu peux pas te le coltiner. Tu peux pas te coltiner 150 pages d'un. Ah, moi, perso, je le prenais vraiment comme un bonbon. C'est oui, c'est ça. Ouais, ouais. Je me faisais une histoire, je repartais c'est ça, sur c'est un ce autre que truc. Je, faisais, ouais. c'est ce je que j'ai revenais, clac, je me reprenais une claque. Mais moi, à chaque page, je me disais, mais waouh. Bien mais... sûr. Oh, ah, bah, c'est. C'est ouf. Et puis, des vraies questions. Enfin, je sais que ouais, là, on est sur une double page où il y a. Clark qui discute avec Diana, ouais. Et ils ont vraiment des discussions sur leur rôle, sur mais qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire. Ouais, c'est une introspection. Enfin, c'est vraiment permanente. Ouais. C'est enfin moi introspection j'ai. Permanente moi des super-héros dans j'ai leur rôle. J'ai adoré ça. Quoi. Et ce qui est intéressant, c'est plus que dans les autres comics ou dans les autres comics, on a des bonus avec le travail, les crayonnés des auteurs. Là, on a tout le travail qu'il fait Alex ouais. Ross. Alors, je sais pas avec si... par exemple, on va le voir. Je par exemple avec. Ah oui, je m'en souvenais plus. Tu l'avais vu ça? Ouais, je l'ai vu, ouais. Putain, mais moi j'ai halluciné quoi. Bon, là vous le voyez pas parce que du coup ça ne rentre pas dans le cadre. Mais c'est un poster. Enfin. Ce mec est ouf quoi. Enfin, moi je. Et donc, ouais, je sais pas si tu peux regarder juste le travail par rapport à Batman. Moi c'est ça qui m'avait. Ah oui, si voilà. On regarde celui-ci ou là, les. La en fait, photo, tu fais poser des amis, poser en fait, des c'est amis ça. À lui. C'est-à-dire que, pour le coup... Et ils endossent le costume de Batman, ouais, ouais. Quoi, totalement. Il est, je sais pas s'il est capable, pas capable, je pense que si, mais en gros, il lui faut... Ouais, il travaille comme un artiste, comme un vrai peintre. Quoi. Il lui faut des gens qui posent, quoi. C'est pas possible. Après, je ne sais pas s'il travaille en direct ou s'il travaille par rapport à la photo. Bah, je pense que, regarde, mais... je pense que là, il a des crayonnés, donc il fait des crayonnés d'abord, et après, il a... parce que... Ouais, ouais, pour les détails, mais tu vois, est-ce qu'il prend la photo et est-ce qu'il restitue la photo en dessin?
Ce qui est possible. Bah, je crois que non. Je crois qu'en fait, le, si tu regardes à chaque début d'histoire, Alex Ross et Paul Dini, ils font une dédicace. D'accord. Ouais, et ouais. Alex Ross, il dit je veux remercier mon ami machin pour avoir posé si longtemps pour moi. Oui, oui, oui. Ah, donc oui. Je pense qu'il fait ça. Je pense qu'il fait ça en direct. D'accord. Donc il ferait ça en direct. Ouais, okay. Totalement. Bah, en tout cas, ouais, voilà. Et c'est vrai que c'est super intéressant de voir. Là, on peut le voir aussi, c'est un de ses amis qui pose pour Shazam. Alors, il leur rajoute des muscles et voilà, il n'y a pas de problème. Et ils n'ont pas la même tête. Et puis, ils sont en costume en plus, les gars. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas juste leur silhouette ou leur visage. Ils les mettent en situation. Wonder Woman, c'est pareil. Il reprend les plis. Les drapés. Mais moi, je pense pas qu'on puisse dire. Non, franchement, ouais, non, je pense... c'est pas mon truc du tout. Bien sûr, là, non, c'est bon. Celui qui dit ça, c'est qu'il a. Mais bon. Après, les dessins réalistes aussi peuvent ne pas plaire à certains. Hein. Bah oui, parce que moi, si j'avais aussi un bémol à mettre là-dessus, c'est que les dessins réalistes, là, du coup, ils sont assez statiques, puisqu'on a l'impression d'avoir complètement, des photos. Complètement. On a l'impression d'avoir des photos, donc c'est assez statique, ça manque de dynamisme. Complètement, ça je suis d'accord. Mais c'est pas du tout le but du truc en fait. C'est-à-dire qu'il faut pas rechercher ça, faut pas rechercher le dynamisme, faut pas rechercher quelque chose de comme n'importe quel autre comics. Et je pense vraiment que ce côté waouh est recherché. Bien sûr. Tu vois, Kingdom Come où il y a aussi Justice League, je ne sais plus comment, je crois que c'est. Non, ou oh, attends, là c'est Justice League. Ouais, là c'est Justice League Icons et il y a Justice. C'est pareil, donc c'est un boulot d'Alex Ross, et du coup on est sur quelque chose de beau, même si c'est beau et même si c'est chouette. Là il y a beaucoup plus l'effet waouh qui à mon avis est recherché parce qu'on veut iconiser les personnages. Donc voilà, on est plus sur cet effet waouh. Mais est-ce que tu le conseillerais? Ah bah carrément. Eh bah carrément. Encore une fois, je le conseillerais pas comme un livre à lire, comme un comics lambda d'une traite ou en deux ou trois lectures. Ouais. Là, c'est vraiment le truc que tu poses, comme tu l'as dit, comme un bonbon, tu le poses sur ta table de chevet ou dans ta bibliothèque et tu dis, tiens, de temps en temps, j'y retourne. Je vais lire cette histoire-là, je vais le feuilleter. C'est vraiment un catalogue, quoi, comme une espèce de magazine que tu feuilles. S'il y a 10 petites histoires, je pense que du coup, pendant 10 jours, 10 soirs, vous pouvez être sûr de vous faire dans votre humain. Waouh, tu vois. Bref, on organise un petit concours. Il vous suffit de mettre « Je participe » dans les commentaires. Et vous, si vous êtes tiré au sort, vous pouvez repartir avec « I am Legend ». Un très bon bouquin. Qu'on vous conseille de le lire. Qu'on vous conseille de lire, ou pas. Mais bref, vous pourrez vous faire votre propre opinion. Vous gagnez un truc. Votre propre opinion. C'est plutôt sympa. Et puis, vous pourrez du coup nous dire vraiment ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous en avez pensé. Voilà. Que ce soit des notices IKEA, des comics ou des livres, l'important, c'est de lire. De lire, évidemment, bien sûr. Ciao à tous. Salut.